Salut à tous, c'est Facochère. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo très très intéressante pour ceux qui veulent se rhabiller dans Red Dead Redemption 2. Alors vous avez dû vous apercevoir qu'il y a plusieurs tailleurs dans plusieurs villes, dont Blackwater et Saint-Denis. Mais vous pouvez faire ça, cette petite manipulation de boutons, dans tous les magasins où il y a une garde-robe. C'est-à-dire en quoi consiste précisément la vidéo. C'est-à-dire que vous avez dû vous apercevoir qu'il y a certains vêtements qui sont conditionnés soit sous grosse somme d'argent, soit sous un nombre élevé de lingots d'or, ou soit conditionnés sous un certain rang. Alors moi, effectivement, je suis niveau 92, il n'y a plus grand-chose à débloquer, mais encore 2-3 trucs dont j'en profite pour vous faire la petite vidéo. Vous vous retrouvez donc dans un tailleur. Vous dites bonjour, pas de problème actuellement, j'ai pas de manteau, on va peut-être essayer par ça. Vous maintenez L2, vous aurez le catalogue, il n'y a pas de souci. Jusqu'ici, tout va bien. Donc, cette manipulation marche pour pratiquement tout. À partir des chapeaux, manteaux, gilets, chemises, jupes, pantalons, bottes et accessoires, il n'y a pas de problème, vous pouvez faire cette petite manipulation. Donc, allez, c'est parti, on va commencer. Je vais me choisir un manteau. Admettons... bah celui-ci, j'ai pas le droit, normalement, il faut le rang, il faut un rang supérieur au mien, rang 96, donc je peux pas l'obtenir théoriquement. Je dis bien théoriquement, donc je choisis la couleur. Une fois que j'ai choisi la couleur, à partir de là, vous avez choisi la couleur, vous maintenez L2, et à partir de ce moment-là, vous maintenez L2. Vous avez choisi la couleur, vous faites retour, retour, retour. Jusqu'ici, tout va bien. Ensuite, vous ouvrez votre catalogue, flèche de gauche. Toujours maintenez L2 enfoncé. Vous allez dans les vêtements. Je dis les vêtements. Les vêtements. Vous allez dans les accessoires. Jusqu'ici, tout va bien. Vous faites R1, R1, R1. Vous allez dans les bretelles à 4,75$. Il me reste encore quelques paires de bretelles à acheter. Je vais acheter celle-ci. Acheter celle-ci. Voilà. Je les ai achetées. Vous gardez toujours L2 enfoncé jusqu'à la fin du processus. Vous refermez votre catalogue. Vous vous dirigez vers la garde-robe. Garde-robe. Je vais mettre mes bretelles. Bretelles en coton. Retour, retour, retour. Vous lâchez tout. Et comme vous avez pu constater, pour 4,75$, je viens d'obtenir le blouson qui est sous rang 96. Alors j'aurais même pas le droit de l'obtenir. Tout simplement. Vous n'oubliez pas. Là je l'ai pas fait dans la garde-robe pour le garder naturellement en garde-robe R3 pour sauvegarder la tenue. Voilà mes petits cochons, j'espère que la vidéo vous a plu. Mettez un petit pouce bleu. Ciao l'équipe, bye.